étiez avec un jeune homme qu'on appelait Peggy. Peggy. C'est pour Peggy. Is it for Peggy? Venez, venez. Ne les bloquez pas. Madame, vous me connaissez quelque part? Madame, do you know me somewhere? On a déjà causé. Have we been speaking? Est-ce que je vous ai déjà reçu un jour? Have I received you one day? Ah? Ok. D'accord. Est-ce que je peux prier avec vous? Can I pray with you? Ah? On peut prier. Can we pray? Regardez cette femme. Look at this woman. Elle a besoin d'aide. She needs help. Et le Seigneur va l'aider. And the Lord will help. Toute malédiction dans ta famille every curse in your family n'aura plus d'influence sur ta vie au nom souverain de Jésus. Amen. Maman, vous êtes mariée? Are you married? Mon mari est décédé. D'accord. Regardez. Look. Est-ce que vous aimez Jésus? Do you love Jesus? Hein? Oui. Est-ce que vous croyez au Dieu de la seconde chance? Do you believe in the God of the second chance? Est-ce que vous croyez en lui? Oui, je crois. D'accord. Est-ce qu'on peut prier rapidement pour elle? Que le Seigneur la bénisse. Que Dieu la délivre. Hein? Je veux prier pour vos projets, vos affaires, vos finances. Parce que j'ai vu beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets que vous avez, mais qui éprouvent beaucoup de difficultés. Non, concentrez-vous, madame, rapidement. Et je veux prier avec vous. Je veux prier à cause de ce que je vois. Ah, j'ai vu quelque chose dans les marchés publics. Je fais dans les marchés publics. Vous faites dans les marchés publics. D'accord. Attendez. Madame, concentrez-vous sur moi. Regardez, je vous ai vu et j'ai vu une femme qu'on appelle Sidonie. Hein? J'ai vu Sidonie. Au début, cette femme, elle a été une aide pour vous en ce qui concerne les marchés publics. J'ai vu cette Sidonie, vous avez travaillé avec elle au début. Et après, vous avez eu les problèmes avec Sidonie. Elle vous a créé les problèmes à la fin. Vous êtes séparés d'elle. Et j'ai vu une autre femme. Et cette femme, c'est une femme nordiste. Vous me suivez? C'est une femme nordiste. Et je l'ai vue dans un bureau. Et cette femme est une bénédiction pour vous. Dans les marchés publics. On l'appelle Madame Adama. Adama. Et le Seigneur me dit de vous parler. And the Lord asked me to speak to you. Madame, est-ce que je peux parler Madame, à la femme? Can I speak? Je peux prophétiser sur vous? Can I prophesy? J'ai vu un monsieur qu'on appelait Bertrand. Toujours dans les marchés publics. Il travaille dans un ministère. Et vous travaillez en collaboration avec cet homme. Est-ce que vous comprenez? Ok, maintenant, Dieu me dit de vous dire qu'il y a Adama. C'est une femme de Garoua. Et cette Garoua, femme sera une grosse bénédiction pour vous en ce qui concerne le marché public. Je vois un vent de grâce qui est en train de souffler ici. Jesus. Vous avez une amie qu'on appelait Germaine. Have you got a friend called Germaine? Germaine, elle est où maintenant? Germaine, where is she now? Elle est là. Elle est où? Where is she? La dernière fois vous êtes séparés, c'est quand? The last time vous avez causé. Il y a 10 ans. 10 ans, hein? Oui. On l'appelle comment? Germaine. On l'appelle comment? Germaine. Bon, mais il y a quelque chose qui s'est passé avec elle. There is something that happened with her. Wow. Il y a un problème qui s'est passé avec Germaine. Germaine. Oui. Hein? Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé avec elle. There is something that happened. Je prie pour vos entrailles. I pray for your wound. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Hein? Il y a quelque chose que je vois qui n'est pas bien. À l'époque, vous étiez avec Germaine. Il y a quelqu'un qui était là derrière vous. Il y avait un monsieur derrière vous. Ce n'était pas votre mari. Hein? Not your husband. Il y avait un monsieur derrière vous. There was a man behind.
Et j'ai vu Germaine, triste. Germaine sad. Attendez. Madame, regardez-moi. J'ai déjà prophétisé sur vous. Ok. À l'époque là, vous avez une autre amie qu'on appelait Clarisse. Clarisse. C'est elle qui vous coiffait. Oui. C'était votre coiffeuse. Oui. C'était chez Clarisse Coiffure. Elle a Titi Garage. Clarisse Coiffure. Oui. Vous alliez vous coiffer là-bas. Oui. À cette époque, il y a un jeune homme qui vous aimait. There was a man in love with you. Qui était différent de votre mari. Different from your husband. Il y a un jeune homme qui vous aime. A young man in love with mais que Germaine appréciait beaucoup. But that Germaine appreciated love. Il y avait un jeune, un gentleman qu'on appelait Armand. A gentleman called Armand. A gentleman. A gentleman. Oui. Armand. Oui. Qui vous aimait tellement. In love with you. Quand vous partiez vous coiffer chez Clarisse, Clarisse, Clarisse Coiffure. In Clarisse Coiffure. Regardez. Look. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. I don't know how to explain. Lorsque la machine de la prophétie est démarrée, the prophecy machine is launched, l'ange de Dieu commence the angel of God starts à vous révéler les choses. Revealing things to you. Clarisse était avec trois filles was with three dans girls. Son salon de coiffure. Oui. Quelqu'un qu'on appelait Madeleine. Mado. Et Mado était grasse comme ça. Oui. Noire. Oui. Quand vous arrivez, c'est elle qui défaisait oui. vos cheveux. Oui. C'est ça, madame? Oui. Armand est tombé amoureux de vous à cette Armand époque-là. Fell in love with you in that time. Vous sortiez de chez Clarisse. You were from Clarisse place. Et le garçon vous a vu. And the boy saw you. Il était en train de vouloir prendre le taxi. Vous-même, vous voulez prendre le taxi. Et vous a stoppé. And he stopped you. Vous étiez avec Germaine. You were with Germaine. Dans le taxi, Germaine a commencé à apprécier taxi, Armand. Germaine started appreciating. Et vous-même, ça vous a encore dérangé. And it disturbed you. Vous avez dit que non, mais... And you said no. Oh, oh, oh. Germaine n'était pas seule. Germaine was not alone. Elle était avec monsieur man, qui voulait l'épouser, mais qui n'était her. Pas son mari, her, qu'on appelait Martin. Martin. Oui. Oh. Hein? Oui. Et Martin vous a même dragué. Even à l'insu de Germaine, il vous a out demandé Germaine, un rendez-vous. He asked for an appointment. Écoutez, listen, il vous a demandé un rendez-vous. He asked for an appointment, vous avez accepté. And you accepted. Vous êtes allé avec lui and au rendez-vous. Vous êtes allé boire. You went to drink. Dans un bar, in a bar, à l'époque, at a time, chez une maman, to une mama, jeune dame, a young woman, qu'on appelait Baby. Called Baby. Vous êtes arrivé chez Baby. You went to Baby's place. Vous allez aller boire. Le bar, the bar où vous êtes allé boire, you went to on avait écrit sur ça chez Chantal. It was written chez Chantal. Vous alliez souvent là-bas. You used to go there. Hey! Donnez-lui le micro. Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui. Hein? Is it true? Vous êtes allé chez Chantal you boire. Chantal vous étiez en train de parler là-bas. You are speaking. Go on, go on. Vous étiez en train de parler. You were chatting. Avec Martin. Sharing il vous a dit Martin. Qu'il vous aime. He said qu'il he loves oh, you. Oh, vous lui avez dit and you told him que je ne peux pas that I cannot tromper cheat mon ami. My friend. Le bar était en route. The bar was beside il y avait the road. Le goudron there was et il y avait une route non goudronnée qui entrait dans le quartier. Pendant que vous étiez avec Martin, Martin, votre mère avait une amie your mother had qui était comme une tante à vous, that was an aunt qu'on appelait you, Maman Madeleine. Called Mama Madeleine. Hein? Oui. Maman Madeleine passait Mama à côté Madeleine du bar. Was just passing elle vous avait là dit bonsoir, she ma fille. Saw you, là, Maman Madeleine, bonsoir. Said, Mama Madeleine, good, elle a traversé, elle est partie. And she crossed and left. Dieu m'a dit de vous dire ceci. God asked me to tell you, aujourd'hui, today, il se souvient de cet acte de justice. Amen. Parce que vous n'avez pas trahi votre meilleur ami. Adam se lèvera pour Adam vous. Amen. Elle vous donnera un marché and public qui est supérieur à tout ce que vous avez eu jusqu'ici. J'ai vu un monsieur, un jeune homme qu'on appelle Serge, a young man called hein, Serge, qui est en train de vous faire la cour. Hein? Qui est intéressé par vous. He is interested in you. Serge. Serge. Il vous aime. He loves you. Il est derrière vous fort fort. He is behind you strong strong. Est-ce que je peux vous conseiller? Can I advise you? C'est votre petit frère. He is your junior brother. Vous êtes plus âgé que lui. You are older than him. Wow. Méfiez-vous. Be careful. Pourquoi vous faites la tête comme ça? Why do you do the head like this? C'est quoi? Vous ne parlez plus. Don't you speak anymore. La prophétie, vous voyez, la prophétie a un effet foudroyant parfois. Has a shaking impact. C'est quoi? Vous étonnez? C'est quoi? Vous bougez la tête comme ça pour you move the head qu'est-ce qui like vous arrive? This.
Est-ce que je peux parler librement ou il y a des choses que je ne dois pas dire? Parlez, papa. Serge, dis qu'il vous aime. Says he loves you. Que vous êtes son genre de femme. That you are his kind of woman. Méfiez-vous. Be careful. Parce qu'il est malade. Because he is sick. Pourquoi vous ouvrez les yeux? Why do you open the eyes? J'espère que vous n'êtes pas encore. I hope non, you've not yet. Ah, d'accord, d'accord. Okay. D'accord. Parce qu'on t'annonce celui avec qui tu es allé est malade. That you've gone with, non. Sick. Vous savez, you know, no. Serge n'est pas en santé. He's not healthy. Parce que c'est un coureur de jupon. He's a womanizer. Vous me suivez? Do you hear me? Il est dans votre quartier. He's in your quarter. Et il sort avec une de vos voisines au quartier. With one of your neighbors in the quarter. Vous avez une voisine qu'on appelle Clarisse. Called Clarisse. Dans votre quartier. In your quarter. Vous avez une voisine you have a neighbor girl, à gauche de vous. The left of your, house. Il y a une maison. There is a house. Il y a une femme, une There's dame woman, dans la maison qu'on appelle house, Ma Clarisse. Called Ma Clarisse. Serge sort avec elle. Serge is flirting with her. Elle est malade. And she is sick too. Elle habitait avec un monsieur dans son studio qu'on appelait Paul, in a studio with a man called Paul. Qui est parti. He left. Et a laissé Clarisse seule. And let Clarisse alone. Oh. Sauvez votre vie. Save your life. Jesus. Maintenant, now, une nouvelle porte s'ouvre devant vous. A new door is open before you. Il y a tellement de choses à dire. A lot of things to say.